Bonjour tout le monde, c'est Guidec62. Bon ben on est parti pour le septième épisode. Bon ben on va fouiller un peu s'il y a rien parce que la dernière fois on avait tué tous les tous les ceux du groupe des loups là. Oh, regardez surtout dans les maisons parce que à l'extérieur je pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Mais après dans la maison il y a peut-être un ou deux trucs à prendre. Ah. Je vais. Ça peut être pas mal ça en fait. Confectionner un. Voilà, comme ça on va pouvoir prendre. On va pouvoir prendre ça. Ça serait con de le laisser. Hop. Après, il y a quoi d'autre? Ah. Hop, on prend. Bon là, à mon avis, il n'y a rien, puisque tout ce qui est voiture, tout ça, on peut pas les fouiller, donc... Ah non, il y a plus rien. Les autres établissements autour, on peut pas... On peut pas rentrer, donc... Ah si là. Peut-être quelque chose là. Ouais. Ça donne quoi ouais. Ici? Juste des trucs d'Halloween. Il y a des trucs ah. Plutôt marrants. Là. Moi je suis pas fan. Elle est immense cette zone de quarantaine. Ouais, elle est grande. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout? J'espère que non. Oh, on va avancer là. Alors, est-ce que je vais à gauche ou tout droit? Je pense qu'il faut aller tout... Non. Non, tout droit, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Il y en a là-bas. On va faire gaffe. Si je monte au-dessus, j'aurai rien pour me couvrir aussi. Comment ils font les intrus pour entrer à la suite? Ils prennent le même chemin que les déserteurs. Je vais te dire. Oh là, ils montent. Encore tous les déserteurs. J'en ai rien à battre. S'ils ont pas envie d'être là, c'est leur problème. C'est des putains de traîtres. Au moins, avec les scars, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Comme je viens de le dire, j'en ai rien à battre. Ah putain, ils viennent vers ici. Ah, il se planque là. Si je prends un cocktail Molotov, j'attends. Ah non, se sont séparés. Ma bouge! Ah, il s'est retourné du coup. Thank you.
Je pensais pouvoir avoir les deux. T'en vois d'autres ? Pas pour l'instant. Comment on va faire pour choper Léa toute seule ? Y a du monde partout dans cette ZQ. On a juste besoin d'une minute pour parler. Tu vas l'obliger à parler ? S'il le faut. Celui a des munitions sur lui. Non. Et là, l'escalier, si on monte, il y a quoi? Il y a un garage et une pompe à essence. Là. Alors, on va utiliser celui-là, on l'utilise pas mal, donc on l'augmente à fond. Dépêche-toi, il y a du bruit. Ça arrive par où? Ah, là-bas. Il n'y a qu'une personne aussi. Ah non, il y en a là aussi. Oh, lui, il va venir. Non, il vient pas. Voilà, il y a quelqu'un là par contre. Ouais, elle se bouge pas donc on peut pas. Ah, il est grand quand même le bâtiment. Ah, on peut améliorer quelque chose. Voilà.
Ah. Ah, on ne le voit plus. Je sais pas où. Non, y a rien du tout. Par contre, elle a tendance à se mettre où qu'il faut pas. C'est un peu chiant. Ah, lui, je vais me rapprocher comme ça. Allez, dépêche-toi. Non, reste où? Il reste plus que celui de dehors. Ah non, on est à la boîte. Ah là tu m'as vu. C'est vrai que quand elle est accroupie, elle se déplace vraiment doucement. Bah bon. Ouais, ils a eu quand même. Alors là, tu m'as impressionné. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut utiliser des balles, quoi. Trop. Ah, c'est clair qu'ils nous ont envoyé du monde à sa recherche. On peut pas dire. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Non, les rayons ils sont vides. Bon, on va retourner. Ah, non, il y a quelque chose là. On va retourner pour confectionner les armes. On avait été dérangé pendant qu'on l'améliorait. Alors, lester la crosse pour améliorer la stabilité, ajouter un magasin pour augmenter la vitesse de rechargement, ajouter une lunette pour améliorer votre précision quand vous visez des cibles lointaines, remplacer le canon pour augmenter la puissance de tir. Alors, on va faire ça. Ok, tout est bon. On a vidé le garage et la pompe à essence. Ah, on peut pas faire la carte, c'est vrai. La carte n'est pas disponible. En fait, on sait même pas trop où on va, quoi, du coup. Bon, on va se... Ah ouais.
J'ai ouvert la porte, je m'attendais pas qu'il n'aille juste pile poil derrière, quoi. Bon, on va ouvrir la lumière. Ça pue ça. Alors là, ça n'a pas réveillé tout le quartier. Ah. Mais au moins, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a plus dedans. Ah. On va commencer par là. Non, y a rien. Y a rien. Eh ben, dans les toxés. Y a rien d'autre à prendre. Je vais aller, ça doit être une petite pièce. Ouais, non, la petite pièce, elle est grande, la petite pièce. Je vais faire la pièce là en premier, je pense. Bon, elle est pareille. Ça fait plus de 10 ans que les types du WLF s'en sont pris aux militaires. Pourquoi ils sont toujours autant à fond? Tu vas pas me dire qu'il y a tant de passages que ça ici? Je sais pas. On dirait qu'il reste plein de réserves dans cette ville. Pourquoi il faudrait se battre pour en choper une part? Alors. Ok. Ah, force de mettre des magazines, des feuilles et tout dans un sac à dos, tu sais, doit être rempli à force. Bon bah y'a que ça à prendre. Regarde quoi. Ah, y a un livre. On dirait nous, non? Ok. Arrête. Te déconcentre pas. T'as raison. Alors là, doit être bien avancé quand même, du coup. Là, il n'y a rien, on va avancer là. De toute façon, ceux qui étaient là, juste en face, là, on les a déjà tués. Donc là, normalement, il n'y a personne. Là, ils avaient déjà eu, ils étaient deux. Donc là, là il n'y a rien non plus. Ah si, on peut peut-être rentrer par le... Ah, ça m'étonnerait. Ah si. Non, alors il faut le pousser, c'est mort. Faut que j'entre. On va jeter un œil. Faut aller là-bas.
Ah, il y aura du monde. Il y en a partout. Il y en a même là aussi. C'est chiant, c'est s'ils sont plusieurs, quoi. Les chefs savent ce qu'ils font. Enfin, je sais pas. Là, on en a vu un, mais est-ce que... Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, ça a l'air tout seul. Ah non. Oula. Bon. Attends, on a un peu qui se sépare. Ah, ça va, elle m'a aidé. Ah, c'est mieux quand elle donne un coup de main, quoi. Ah. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai lancé le... Quand il y en a deux, à chaque fois, elle me donne un coup de main. C'est vrai que tout à l'heure, j'aurais jeté le cocktail Molotov. Je n'en aurais attaqué un, je pense qu'elle aura attaqué le deuxième. Carrément à l'étage, quoi. Je pense que vaut mieux sortir, aller les tuer et après fouiller, je pense. Je pense que ce sera le mieux. Est-ce qu'il y en a au rez-de-chaussée là? Ça a pas l'air. Ouais, je pense que le mieux c'est d'aller les tuer. En bas. Oh là. Ah non. Ah non. Rentrez chez vous, bordel. Après, je suis un peu bloqué là. Ah, elle va les tuer comme ça. Ouais. Ouais, ils doivent pas être beaucoup, donc on va attendre. Ouais. Allez, dépêche-toi de te soigner. Il doit pas être beaucoup, donc à la limite, bon, j'utiliserai un peu de fusil, d'armes de pistolet, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Il doit être 5 ou 6 maxi, sachant qu'on en a déjà tué 2. Voilà, on n'entend plus rien déjà. Bon, soit ils sont trop loin, soit ils sont pas alertés, quoi. Je me demande comment ça se fait. De la façon que qu'elle est, il y en a encore. Où est-on passé? Contrôle, c'est parti. Débusquez-les. Voilà.
Je vois si on accorde d'autres après. Ouais, il y en a encore parce que là, t'as l'oreille dit sinon. Y a plus de bruit. Ça va? Ah non, c'est ouais. Bon. Bon, elle a dit y a plus de bruit. Il faut qu'on franchisse le mur du poste de contrôle. On va ramasser un peu tout ce qu'on trouve maintenant. Regarde bien. Il y a forcément un passage. On va fouiller un peu. Ça, ça se prend. Je pense qu'on va aller voir de toute façon à l'étage en dernier. Parce que je pense que l'étage, c'est pour avancer plus loin dans l'histoire. Voilà, y a rien. On va aller voir la petite maison où on avait. Où on avait tué les deux. Bon, y a rien dedans. Voilà, je vais regarder. Déjà, on va se refaire un truc de soin. Il vaut mieux prendre des objets, faire des soins, même des cocktails Molotov et tout en trop, que de laisser les objets là, quoi. Autant se remplir l'inventaire. Bon voilà, on a fouillé. Là, il n'y a plus rien. Donc là, voilà. Là, on va pouvoir aller à l'étage. Pas monter plus. Non, il n'y a plus d'ennemis. Oh si. Je croyais qu'il n'y avait plus d'ennemis sur le coup.
Il est parti où lui? Ok, bah je sais pas où c'est qu'il est parti. Mais il est parti. On va faire un tour des pièces, de toute façon on va bien retomber dessus. Ah bah tiens, il y en a alors. Ah bah c'est lui de toute façon. C'est lui je crois qu'on avait vu. Surtout dans les casiers. Ça c'est con, c'est que le pistolet. Le fusil, je suis. Les balles, je suis à plein. Donc je peux pas les ramasser. Alors, on va bientôt voir si c'était celui qu'on a tué, si on avait vu ou pas. Ah, c'est de là qu'il faut avancer peut-être. Ouais, ça devait être celui qu'on avait vu. Ouais. On prend. Il y a quoi là? Là c'est juste un balcon tout simple. Ah ok, c'est où on n'avait pas arrivé à... On n'avait pas arrivé à passer tout à l'heure. Ouais, maintenant, faut voir déjà où c'est qu'on peut passer déjà. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de... d'endroit. Ah ok. Ouais. Elle est rudement grand le village quand même. Il y a de quoi visiter. Je crois que ton radio est pas loin. On dirait la station télé de ta carte. Ouais. Là. Après c'est pas à côté non plus quand même, mais bon. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben dis donc. La ferme. Oh merde. Ah ouais. C'est quoi ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Non, regarde bien où tu mets les pieds. Ah ça, ça sent pas bon ça. Oh, il y en a un là-bas. Ah ouais, il a un peu explosé. Thank you.
Salut, c'est la voix qu'on entend. Elle n'a peut-être dans le bâtiment. Non, ça a pas l'air. Ah ouais, les fils. Voilà, ça va être compliqué, hein. Mais si je me fais voir, comme ça ils vont aller dans le piège. Alors? J'ai bien fait de me faire voir ça. Ça, je peux m'en servir à mon avantage de ça. Les fils. Le tout, c'est qu'il faut que je sois attentif pour pas m'en prendre un moi-même. Parce que, en courant, sans faire gaffe, ça peut vite arriver. Il y en a d'autres, ça a pas l'air. Il y avait que les deux là. Voilà, il n'y a rien à voir. Ah, là, il y a une échelle. Elle va où l'échelle? Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. Il y a pas mal de dégâts. Ok. Par contre, moi en fusil, je vais équiper celui-là. Parce que depuis tout à l'heure, je vois des munitions de ça et. Et je peux pas les ramasser. J'en vois pas, mais. Ça en plus, il marche bien. Donc. Voilà, on va descendre là maintenant. Ah bah oui, il faut que tu descendes. Ellie ? Putain, tout va bien. Allez. Alors, on y allait là ou de l'autre côté ? Ah, les deux c'est pareil, je pense. De toute façon, ça se rejoint. Ouais. J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On veut mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. Encore. Hé, regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout? Tu crois qu'elle a un rapport avec les wolves? Je sais pas. C'est trop bizarre. Putain de merde. Ils ont été tués par balle. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché.
Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. Ça m'étonne. D'accord. Elle a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Qu'il y a autant de dégâts ici. C'était pas comme ça, Liston-ci ? Non, il n'y a pas eu de guerre civile, Liston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Je vois pas d'où. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. Non, on peut pas passer. Est-ce que tu vois la station télé ? Ouais, c'est par là. Elle doit pu être très loin, quoi. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle, lui aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. Stop! Un piège. Merci. Ça remplit un piège partout, quoi. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais, qu'on fasse gaffe. Ouais, c'est fermé de toute façon. Faut pas passer au-dessus. Donc il faut qu'on fasse gaffe si il y en a plein partout. Là, donc on peut pas passer là non plus. Après, si on tire au-dessus, je pense qu'on peut les détruire. Là, si je tape le carreau, on peut passer là. Ok, ça, là, il y a l'air d'en avoir un peu moins. Même plus du tout. Alors. Ok. Hop, ça on prend. Ah, ça fait pas longtemps qu'on les a augmentés déjà les armes, je pense qu'on a rien pour ouais, y a rien pour pouvoir les augmenter, on l'a fait il y a pas longtemps. Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. Alors. Bon, bah là, il n'y a rien. On va aller ouvrir la porte. Là, il y a une feuille à ramasser. Ah, il y a un code. Alors, on va déposer l'enveloppe à la banque.
pour le code. Six derniers chiffres du numéro de Stasi, je me suis dit que tu arriverais facilement à t'en souvenir. Ok. Code pourront peut-être servir plus tard. En espérant qu'il n'y a pas d'autre cela et que le bruit du fusil on est repéré. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Ah bah là on a besoin là du code. Par contre, faudrait que je re-regarde la feuille pour m'en souvenir. C'est moi en plus avec la petite mémoire. On peut augmenter ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut augmenter là? Permet de confectionner plus de fumige. Ouais non. Confection du silencieux. Ah ça peut être très 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 bien ça. Le silencieux, ça peut être très 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 bien. Ah ouais. Bon. Alors, on va regarder. Alors, la feuille, ça devait être l'une des dernières, je pense. S'ils sont faits dans l'ordre ou pas. Ouais, ils sont faits dans l'ordre. Donc les 6 chiffres, le 01, ils comptent pas du coup. Mettre 206. Alors 206, ça ferait 20. Ça ferait 65 et là 55 parce que j'ai bon pas c'est raté. Alors là faudrait mettre le 01 au bout du coup donc ça ferait 65 55 si on le fait à l'envers 01. Voir si le code là il marche pas, je laisse tomber parce que non. Bah c'est que ça doit être une autre feuille ou un autre truc que j'ai pas encore ramassé ou je sais pas. Parce que là, à part le code là, je vois pas trop. Il y avait une autre porte là, donc peut-être qu'il y a quelque chose là. Là, voilà, il y a un code là. Pour passer du bon temps, appelez Stacy 206 5. Alors, 01 33. Il y a le 33 au bout. Avec le 33 au bout. Alors, ça, on ferait les 6 derniers, ça ferait 55 01 33. On va essayer.
1h55. Zéro un. Ah bah voilà. Franchement, je pensais pas que ça allait s'ouvrir. Je me suis dit, le truc, ça va être un truc faux. J'ai dû louper un truc en route. Mais non, ça va. Bon, c'est bon, on a vidé tout, toute la pièce. Alors, continuer. Ah non, il y a un fil là, donc faut passer de l'autre côté du camion. Ah, il y a un fil aussi. On faut passer sur le camion, alors, je pense. Voilà. On peut pas passer aussi, donc il faut sauter de camion en camion, je pense. Ouais, ben, je sais pas d'où est. Tiens, ici aussi. On peut pas attraper le haut du camion là. Là, il y a un fil, c'est mort. Là, il y a un fil, c'est mort. Et là, il y a un fil, c'est mort. Ah ben là. Il y a un carreau, donc faut le casser. Hop, voilà. On a déjà été là. On a déjà été. C'est où il y a la salle de sport. Ah, d'accord, ok, ouais, je crois que j'ai compris. Mais en fait, faut sauter de camion en camion. Mais en fait, si tu loupes ton coup, eh ben, ça te donne la chance de pouvoir recommencer, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'endroit ailleurs où... Non ? Bah non ! Bah non ! Bah non. Ah, ils sont en rôle et... Mais ça me semble loin quand même, le camion, pour... Après, peut-être qu'on pourrait... Bah non, on peut pas pousser le camion. Je sais pas. Bon bah on va s'arrêter là. Puis on se retrouve pour la suite. Salut, à la prochaine.